important de te coucher sans faire de bruit. Je reviens tout de suite. T'inquiète pas. Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Non, c'est les plans qui ont sauté, ça doit être la clim. Ouais, t'as déclenché l'alarme. Oh, j'ai oublié de la désactiver, désolée. Ça va? Moi aussi j'ai frôlé la crise cardiaque. Retourne te coucher, va, je vais appeler la société de sécurité pour leur dire que c'était rien. D'accord. Diane. Bonjour. Monsieur Martinez t'attend déjà, il était en avance. Oh, ok, j'y vais. Il y a le devis pour Bradley Construction à terminer. Je sais. C'est un gros boulot, il faut qu'on l'ait. Pas de soucis, je suis dessus. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, on peut relier tout votre système à votre serveur central. Ça augmentera beaucoup son efficacité. Bon, et pour la téléphonie? En branchant le boîtier PABX directement sur votre serveur Ethernet, ça multipliera le nombre de lignes et vos options de messagerie. PAB, quoi? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Oubliez ça. Nous offrons une assistance technique pour toutes nos installations. En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en mettant en réseau toutes vos filiales de cette façon, vous réduirez considérablement vos frais de fonctionnement. Ça, c'est du concret. Alors, marché conclu? Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Je me réjouis de notre future collaboration. Oui, moi aussi. À bientôt. Bonjour, mesdames. Comment ça va? Très bien. Oh, au revoir, au revoir. Coucou. Salut. T'as passé une bonne journée? Ouais. Oh, génial. Il fait chaud, hein? Oh, fais-moi voir. Maman. Allez, fais voir, j'ai pensé qu'à ça aujourd'hui. T'as quoi? T'as quoi? Oh, ah, on peut y aller maintenant? Oh, je suis tellement fière de toi, mon petit génie. Tu vois? Tu vois, je t'avais dit qu'avec un peu d'effort, tu y arriverais. Allez, mets ta ceinture, chérie. Oh, mais au fait, c'est bientôt la journée de la science à l'école. Ouais. Tu as réfléchi à ce que tu allais faire? J'aime pas les sciences. Jacob. Monsieur Dolan, il est vraiment trop saoulant. Bon, alors, faisons quelque chose ensemble. Oh, on pourrait fabriquer un volcan. Maman, arrête, c'est plus la maternelle. Les volcans, c'est complètement ringard. Je trouverai bien un truc sur Internet. Non, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Allez, on peut inventer un truc plus original. Ce serait sympa, ça me plairait bien.
C'est trop la honte. Moi, ça m'amuse et tout est toujours la honte avec toi. Avant de te mettre sur la console. T'as compris? Oui, je sais, je sais. Jacob, rentre et mets-toi au travail. J'arrive tout de suite, chérie. Ok. Bonjour, je peux vous aider? Catherine Geller? Oh, vous vous trompez d'adresse. Il faut qu'on parle, Catherine. Je suis l'agent Goodwin. Voici l'agent Windsor. Non, je vous ai dit que vous... Faites comme si on était des représentants. Ne montrez aucune émotion. Pourquoi? Faites ce qu'on vous dit. Quelqu'un pourrait nous observer. Quoi? Qui nous observerait? Il a été libéré sous caution. Non, c'est du passé, tout ça. Pour moi, c'est terminé. Pardonnez-moi. On nous a signalé sa présence par ici. Je pense que ce serait mieux qu'on discute dans un endroit plus confortable. Non, je suppose que vous aurez remarqué que j'ai un fils et je dois m'en occuper. Je n'ai pas de temps à perdre. C'est important. Écoutez, cette page est tournée. J'ai une famille, j'ai ma société, j'ai une nouvelle vie. Alors, sauf si vous avez une très bonne raison de venir ici, il vous prend en filature depuis au moins 8 jours. Ça vous va comme raison? Quoi? Je vous le répète, Madame Geller. Madame First. Madame First, je pense que nous devrions choisir un lieu plus discret pour parler. À moins que vous vouliez que vos voisins apprennent qui vous êtes vraiment. Écoutez, je dépose mon fils à l'école à 8h30. Je peux vous retrouver, disons, à 9h. Parfait. Voilà notre adresse. D'accord, je passerai. Très bien. À très vite, donc. Demain, sans faute. Salut, chérie. Salut. Ça sent bon, dis donc. Tu as un souci? Non. Pourquoi? Bon, juste une question. Ça sera après quand? Dans 10 minutes. Bon, je vais me préparer. C'était qui, ces gens? Quels gens? Tout à l'heure, devant la maison. Personne. C'était pour une pétition. Pourquoi? Je sais pas, une sorte d'enquête publique. Je peux y aller? Tu as fini tes devoirs? Pratiquement. Emmène ton assiette. Et ton verre aussi, s'il te plaît. Merci. C'est bien. Alors, comment ça se passe au musée? Plein de boulot. 3 sorties de classe, la tournée des facs, et on met en place la nouvelle expo. C'est formidable. Chérie, tu es sûre que ça va? Oui, je suis fatiguée, j'ai eu une dure journée. Ouais, moi aussi. Oh, j'ai commencé à ranger la vaisselle. T'as fini? Oui, merci, c'est bon. Choix en décidant de venir, Kim. Je veux que vous me disiez ce qui se passe. On le fera. Asseyez-vous.
Vous avez la belle vie maintenant, Catherine. C'est pas comme autrefois, hein? Vous pensiez vraiment enterrer votre passé en changeant seulement de nom? Je suis venue pour que vous me disiez ce que Lawrence mijote. D'après nous, ça fait environ une semaine qu'il vous surveille. Peut-être deux. Pourquoi? C'est plutôt à vous de nous dire ça. Je n'en sais rien, je ne lui ai pas parlé depuis que j'ai témoigné. Catherine. Kim. Il est méthodique. Et s'il vous surveille, il y a forcément une raison. Vous croyez qu'il cherche à se venger? Mais si effectivement il me surveille, comme vous le dites, il serait passé à l'action. Il a eu des tas d'occasions. Pourquoi il attendrait? Nous le soupçonnons de préparer un coup. Comme quoi? Vol qualifié, cambriolage, attaque à main armée, extorsion. Son CV n'est pas mal. Quel est le rapport avec moi? Combien de personnes connaissent l'existence de Madame Catherine Geller? Les informations qu'il a lui donnent un bon moyen de pression. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il veut faire appel à moi? Il connaît des tas de gens bien plus expérimentés. Vous avez été partenaire durant des années. C'était il y a bien longtemps. Peut-être, mais sans ce coup de feu au cours du braquage, vous seriez sans doute encore sa femme. Et ça, il le sait. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Poster une voiture devant chez moi si jamais il revient? On pense qu'il va vous contacter. À ce moment-là, vous écouterez sa proposition et vous l'accepterez. Non, ça, pas question. Écoutez, c'est notre seule chance de le coffrer, d'accord? Une fois pour toutes. Ça vous regarde? Trouvez quelqu'un d'autre pour faire ça. Mais il vous veut, vous. C'est non. J'ai un fils. Jamais je ne prendrai ce risque-là. Écoutez, si on le coince pour harcèlement, on l'enfermera pour, disons quoi, 6 mois. 8 tout au plus. Et ensuite, il sera de nouveau dehors. Il nous faut plus que ça. On vous protégera. Vous rêvez si vous pensez que c'est aussi simple. Parlez-lui, c'est tout ce qu'on veut. Découvrez ce qu'il mijote. D'accord. Je le découvre et après? On avisera le moment venu. Non. S'il arrivait quoi que ce soit à ma famille... Il n'y aura aucun problème. Vous serez en sécurité. Faites-nous confiance. T'as vu l'heure? J'avais un rendez-vous. Et le devis pour Bradley, tu y penses? Je m'en occupe. Ça nous ferait 6 mois d'assurer. Ce boulot, on en a besoin. Tu as besoin de ce boulot. Je sais. Je crois que je veux peindre ma chambre en noir. Moi, je préfère le bleu. T'en penses quoi, Kim? Ça va, chérie? Oui, oui, très bien. Peindre en noir? Viens là. Oui, noir. La chambre de Jordan est noire. Non. Pourquoi? Parce que j'ai dit non. Mais le noir, c'est cool. S'il te plaît, Jacob, écoute ton père. Et je t'occupe. Allô? Bonjour, Catherine. Kim? Je reviens, je dois prendre cet appel. Tu sais qui c'est? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas l'air étonné de m'entendre. Je suis censée bondir de joie. Ah, tes sarcasmes m'ont bien manqué, ma kitty cat. Dis-moi ce que tu me veux. Peut-être que je veux me venger. Tu as témoigné contre moi, après tout. Non, si tu voulais te venger, je serais déjà plus là. Qui a dit que ce serait toi? Je pourrais m'en prendre à ton mari ou à Jacob. Tu crois vraiment qu'arpenter les rayons te rendra moins suspecte? Si tu touches au moindre de ses cheveux, je te... Ne t'inquiète pas, Kim. C'est bien comme ça que tu te fais appeler maintenant, hein? Kim. Je toucherai pas à ton fils. Alors tu veux quoi? Dean Park, dans une heure. Dans une heure? Allô? Maman! Oh, t'es là? On t'a cherché partout. Qui est-ce qui t'appelait? Oh, personne, rien d'important. Alors, tu as trouvé ce que tu voulais? Je voulais du noir, mais j'ai pas eu le droit. Pour être franche, je dois dire que je suis d'accord avec papa là-dessus. Quelle couleur tu as choisi? Du jaune et du bleu. Où il est passé? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je trouve plus mon téléphone. Tu l'avais au magasin? Je sais. Au fait, j'ai dû le laisser à la caisse. Ben, c'est pas grave, on va y retourner.
Non, 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 ça va. Vous n'avez qu'à rentrer tous les deux. J'y vais. T'en fais pas. Tu es sûr? Oui, ce sera vite fait. Tiens, en route, fiston. Merci, mon grand. T'as qu'à les poser au bout du couloir. Bonjour. Oui, ma femme était chez vous et je crois qu'elle a oublié son téléphone à une caisse. Oui, c'est un portable rouge et noir. Ah bon, rien? Vous n'avez pas retrouvé de téléphone. Agent Goodwin. Ça y est, il a appelé. Dites-moi tout. Il veut qu'on se voit. À Dean Park dans environ 30 minutes. D'accord, Dean Park. Je suis censé faire quoi? Voyez ce qu'il veut. Et ensuite? Faites ce qu'il dit. Quoi? Plus loin ça ira, plus on aura de chance de le coffrer définitivement. Vous inquiétez pas. Je n'ai aucune envie de me fourrer là-dedans. Écoutez, Kim, vous voulez que ce type sorte de votre vie? Alors faites ce qu'on vous dit. On sera tout prêt. On surveillera ce qui se passe. Bon, d'accord. Kim, tout ira bien. Tu t'es dégoté une jolie petite ville. T'as toujours rêvé de t'installer en banlieue. La maison cossue. La piscine dans le jardin. La grosse voiture dans l'allée. Personnellement, je préfère un peu plus d'animation. Oui, ça tu peux le dire. Ça a payé notre appartement. Je l'ai fait pour nous. Et qu'est-ce que j'ai eu en échange? 10 ans de tôle. Qu'est-ce que tu veux? J'ai un nouveau projet. Comme d'habitude. Bah, l'âge de la retraite arrive à grands pas. T'as qu'à prendre une complémentaire, comme tout le monde. C'est pas vraiment mon truc. Il paraît qu'ils cherchent du monde au fast-food, au centre-ville. Tu n'es même pas un peu curieuse de savoir ce que c'est? Non, tu perds ton temps. Je t'ai pas encore dit ce que tu toucheras. Ça m'est égal. Je ne veux rien de ce que tu pourrais m'offrir. Tout le monde a un prix, y compris Kimberly First. Plus maintenant, tout ce qu'il me faut, je l'ai. Attends, tu pars du principe que c'est d'argent que je parle. Que diraient les bons habitants de Shepherd's Grove s'ils savaient que Kimberly First, mère, chef d'entreprise, membre du comité des parents d'élèves, pilier de la kermesse annuelle, était autrefois connue sous le nom de Catherine Geller, braqueuse de banque, accusée de complicité d'homicide. Oui, mais ça s'est fini en acquittement. Oui, mais quand ce sera sur Internet, qui se préoccupera de ça? Comment tu les trouves? Pas très flatteuses. Moi, je trouve que tu es mieux en vrai. Un soir, 3 millions de dollars, aucune violence. Et ceci sera détruit. Pourquoi moi? Tu connais tous les malfrats de Portland à Pittsburgh. Parce que je te veux, Kitty Cat. Tu as toujours été la meilleure. Tes connaissances techniques, ta minutie. J'ai besoin de ton talent. Ce serait quand? Dans 4 jours. Ce sera où? T'inquiète, tu le sauras en temps voulu. Marché conclu, alors? Parfait. À très bientôt, Kitty Cat.
est Jacob? Il est au premier. Hein? Ça a donné quoi? C'est réglé. Une des caissières l'avait déposé au point information. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je les ai appelés et ils ont dit que personne ne l'avait trouvé. C'est bizarre. Pourtant, c'est là que je l'ai récupéré. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? L'appel mystérieux tout à l'heure. Un rendez-vous en pleine journée. Où tu t'en vas encore? Je vais me changer avant le dîner. Cette conversation n'est pas finie. Si, elle est finie. J'ai pas l'intention d'écouter tes accusations. J'allais lancer un avis de recherche. Il y a quelque chose qui te tracasse? Non, pas du tout. Ça va. Sérieusement, tout va bien à la maison? Ah, oui, toujours la même routine, tu connais. C'est marrant, hein? Personne ne te dit à quel point ce sera dur. Les matchs de baseball, les pièces de théâtre, les spectacles de danse, la kermesse de l'école. Sans parler du ménage, de la cuisine, des lessives. Oh! Et au cas où tu l'as oublié, la boîte d'informatique la plus performante de la ville. Ouais, exact. Comment on peut nous demander de tout faire? J'en ai aucune idée. J'envie les autres parfois. Ils ont une vie intéressante. Ils voyagent, ils font des choses. Et moi, où je vais? Au supermarché. T'en sais rien? Peut-être que c'est eux qui t'envient. Ah ouais, c'est ça. Je demande à voir. Franck et moi, on n'a pas couché ensemble depuis 3 semaines. Nous, ça fait 4, d'accord? Et ouais. C'est pas croyable. C'est quoi cette vie? C'est la vie des couples mariés qui bossent. Et il est où le beau chevalier qui devait nous enlever sur son cheval blanc? Excuse-moi, j'en ai pour une petite minute. Ok, je reviens. Agent Goodwin, qu'est-ce que vous faites ici? Kim. Vous me suivez? J'essaie seulement de vous protéger. Au sport? Oh oui, c'est vrai qu'il y a plein de criminels dangereux là-dedans. On ne sait pas quand Geller vous contactera. Je doute fort qu'il vienne me descendre sur un tapis de course. Vous et moi, on sait à quel point il est dangereux. Je marche sur un fil, là, d'accord? Être marié, c'est très compliqué. Là, en plus, mon mari soupçonne quelque chose. Même mon fils pose des questions. Alors, vous devriez me remercier. Écoutez, je vous demande seulement d'arrêter de me suivre. Vous croyez vraiment que Lorenz va me contacter si vous me collez au train? Laissez-moi faire mon boulot. Dans ce cas, laissez-moi faire le mien. C'est clair? Si Lorenz m'appelle, c'est promis. Vous serez le premier à le savoir. Juste une minute.
Bon, tu en as exactement deux. Le musée? Ce diamant est un des plus gros au monde. Tu prévois de cambrioler le musée? Alors là, tu es malade. J'ai trouvé un fougue qui est prêt à me payer 20 millions de dollars pour ce caillou. Tu disais que ma part était de 3. Oui, ben, disons qu'on peut considérer le solde comme un dédommagement pour les inconvénients que j'ai subis. Tu fais une grosse bêtise, tu sais. La dernière personne qu'il te faut, c'est moi. Arrête de me prendre pour un idiot. Je t'ai observé. Et je sais que ton mari est le conservateur du musée et qu'il a les plans de l'immeuble dans l'ordinateur de son bureau et les schémas détaillés pour chaque expo dans son armoire à dossiers. En plus, je t'ai vu travailler. Tu pourrais reconfigurer tout le système d'alarme les yeux bandés. Tu es très doué. Alors au contraire, tu es la personne idéale pour ce coup-là, Catherine. Trahir mon mari, c'est ce que tu me demandes. C'est pas comme si c'était la première fois, Kitty Cat. Mais bien sûr, si tu préfères aller droit dans le mur, ben, demain matin, le journal sera très intéressant. Tu as 3 jours. Tu devrais commencer à faire tes devoirs. Salut, petit. Salut, toi. C'était qui? Oh, bah, c'est un nouveau surveillant. Tu as beaucoup de devoirs? Ouais. Madame First, je ne vous attendais pas. Oui, oui, je vais passer par là. Je vais lui faire une petite surprise. Il avait une réunion, il est encore en chemin. Vous voulez l'attendre? Oui, je vais l'attendre dans son bureau. Madame First? Ensuite. Pourquoi? Bonjour, monsieur First. Bonjour, Harry. Pourquoi elle ferait ça? Pas ce qui était prévu. Je vous ai engagé parce que c'est moi qui vous paie, non? Je veux des preuves. J'arrive à mon bureau. Je vous rappelle tout à l'heure. Bonjour. Votre femme est là. Kim est ici? Oui. Elle vous attend dans votre bureau. Merci. Kim. Salut. Ça pour une surprise? Oui, j'espère que je te dérange pas. C'est juste que j'avais l'après-midi de libre. Non, du tout. Est-ce que tout va bien? Oui,
Mais je regrettais ce qui s'est passé hier. Je me disais que je te devais une explication. D'accord. En fait, c'est une surprise pour Jacob. Les Foo Fighters ? Oui. Je trouvais que ce serait bien que vous passiez un petit peu de temps ensemble, tous les deux. Toute cette histoire pour un concert de rock ? Oh, je sais, je l'ai mal géré, mais je voulais vraiment que ce soit une surprise. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais 2 minutes pour prendre un café ? Oh, excuse-moi, j'ai une réunion qui commence dans peu de temps. Oh, tu prendrais 1 minute pour me montrer l'expo ? Bien sûr. Génial. Un problème ? Non, non, c'est rien. Tout va bien. Allons-y. $3,800 carats. Le 4e plus gros diamant du monde. Il a été offert au roi Gustave V de Suède. Et il porte le nom de sa femme, Victoria. Waouh. J'aurais pas cru qu'il serait aussi magnifique. Le roi Charles XVI voulait que le monde profite de sa beauté. Et donc il a décidé de l'exposer avec le reste de sa collection. Et il reste ici longtemps ? Ah, seulement 10 jours environ. Toutes ces mesures de sécurité me coûtent cher. Ah, oui, je vois que tu as des caméras au plafond. Des caméras, des détecteurs de mouvement, des vigiles armés nuit et jour. C'est un patch catégorie 5. Qui commande tout ça ? Ah, je sais pas, chérie. C'est toi l'expert en informatique. Ça fait des années que j'ai rien eu de tel. Depuis les manuscrits de la mer morte. Mais ils n'étaient pas aussi brillants, pas vrai ? Non, pas vraiment. Excuse-moi, chérie, je dois filer. Oui, je sais, t'as du boulot. Tu rentres pour dîner ? J'espère, oui. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bonjour, Madame First. Bonjour, Harry. Magnifique, n'est-ce pas ? Ça ne va pas ? Je veux parler à l'agent Goodwin. Et moi, je vous suffis pas. Ça va, je m'en occupe. Oui, Kim, qu'est-ce qu'il y a ? J'aurais dû vous écouter. Il me suit. Asseyez-vous. Après notre rencontre, l'autre jour, quelqu'un m'attendait au parking souterrain. Vous l'avez vu ? Non. Et quand j'ai quitté le musée cet après-midi, il y avait quelqu'un qui me suivait. Kim, est-ce que vous lui avez reparlé ? Eh bien... Quand ça ? Il est arrivé sans prévenir à la sortie de l'école. Je vous avais demandé d'appeler immédiatement si vous lui parliez. Oui, je sais, mais j'étais terrorisée. J'étais perdue. Bon, vous lui avez dit quoi ?
J'ai joué le jeu comme vous me l'aviez demandé. Très bien. Il vous a dit quel était son plan? Il veut voler le diamant Victoria qui est exposé au musée. D'accord. C'est pour quand? Dans 2 jours. Bon, voilà ce qu'on va faire. Continuez comme ça. Entrez dans son jeu. Quoi? Vous plaisantez? Écoutez, qui... Non! Non! Il est sans cesse derrière moi et il ose en plus débarquer à l'école de mon fils. Ça devient dangereux. Alors, non! On doit le coincer en flagrant délit. J'en reviens pas que vous vouliez m'obliger à faire tout ça. Vous aurez un micro, ok? Vous serez protégé. Ça fait des années que j'ai arrêté ce genre de choses. S'il vous plaît, c'est notre seule chance de le coffrer de façon définitive. Oui, mais je ne suis plus la même femme, moi. Terminé. Il est hors de question que je fasse une chose pareille. Bon, écoutez-moi. Je sais que c'est difficile. Mais vraiment, croyez-moi, ça en vaut la peine. On est les gentils. Courage. Faites-nous confiance. Chérie, qu'est-ce que tu fais? J'avais soif. Et toi, tu fais quoi? Je m'avançais un petit peu dans mon travail. Allez, viens, je vais te donner à boire. Voyons ce que j'ai. Sinon, d'habitude, tu dormir. Mm-hmm. Tu veux de la citronnade? Ouais. Tu sais, en fait, je me disais qu'il vaudrait mieux pas dire à papa qu'on était debout si tard. On devrait déjà dormir. Si tu veux. D'accord, allez, va te coucher, je monte dans une minute. Vraiment y aller en vélo? Oui, juste aujourd'hui. J'ai beaucoup de route à faire ce matin. Mais je me ferai pardonner. Sois prudent. Et mets-moi ton casque. Il faut que tu annules tous mes rendez-vous. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui, ça va. Kim, on a loupé le contrat avec Bradley Construction. Comment ça? On a trop traîné, c'est Brioni qui l'a eu. Kim, tu perds pied. Et très franchement, t'es distante ces temps-ci. Je suis désolée. Tu dois retrouver ta concentration. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie privée, mais ça nuit à ta vie professionnelle, vraiment. Il faut que j'y aille. Oui, je comprends bien. Mais vous prenez des photos, non? Je veux des preuves concrètes. D'accord. Et pour hier soir? Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui se passe, n'est-ce pas? Écoutez, je suis extrêmement occupé. Vous avez quelque chose à me montrer, oui ou non? Très bien. 13h. Claudia? Quelqu'un est entré dans mon bureau? Non, pas à ma connaissance. Appelez le service technique, qu'il change la serrure de ma porte. Tout de suite, il y a un problème? J'en sais rien.
Il y a un vigile posté à l'entrée de devant et un à l'arrière. Il y a aussi un vigile à l'intérieur du périmètre. Je vois deux sorties de secours à l'arrière et une porte commandée par une carte magnétique à l'arrière également. Le toit facilement accessible. Deux bennes à ordures. Le parking est ouvert directement sur la rue. Je ne vois ni grillage ni barrière quelconque. Espace libre dans un rayon d'environ 6 mètres autour de la porte d'entrée. Et je dirais d'environ 4,50 mètres autour de la sortie de secours. Jacob. Oh, dites-leur d'appeler Kim, je suis vraiment débordé là. Ils disent qu'ils ont essayé de la joindre, mais elle n'est pas à son travail aujourd'hui. Je les prends. Allô, Michael First, j'écoute. Jacob, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Une bagarre. Avec qui ? Oui, je le connais. Absolument, je viens le chercher immédiatement. Merci. Bonjour, c'est Kim. Merci de laisser un message après le bip. Parole, je rêve. Catherine Geller. Je me demandais quel bon vent finirait par t'amener par ici. Oh, ça me fait plaisir d'être là. C'est Kim, maintenant. Kim? Ah. Et qui est Kim? Kim est une femme mariée, mère d'un petit garçon de 10 ans et qui habite à Shepherd's Grove. Oh, Shepherd's Grove. Incroyable. Ah. Qui est l'heureux élu? C'est le conservateur du musée de Grove. Ah, tu vois, j'ai toujours su que tu finirais avec un bobo. Il sait pour Catherine? Non. Alors j'imagine qu'il ignore tout aussi de son ancienne copine de cellule. Eh bien, tant mieux si l'une de nous a pu rompre le cercle vicieux et sortir de ce bourbier. Tu en es sortie? Je plonge, je m'en sors, je replonge. Il t'en reprise? Pour violation de conditionnel. Je suis en réinsertion. Je commence à travailler le vendredi à minuit et je finis le dimanche à midi. Pétante. Oh. Alors, dis-moi, pourquoi t'es là? Lorraine s'est sortie. Il a retrouvé ma trace. J'espère que tu crois pas que c'est moi, je savais même pas où t'étais. Oh, non. Violent? Il veut que je fasse un coup avec lui demain. Waouh. T'as dit oui? J'ai pas vraiment le choix. Si je refuse, il dit qu'il va balancer tout ce qu'il sait à mon sujet. Oh, ton bobo de mari comprendrait, j'en suis sûre, non? Tu connais pas Michael. Dis-lui toi-même avant que Lawrence le fasse. C'est compliqué, tu sais. Shepherd's Grove est une petite ville. Oui. Les ragots circulent à toute vitesse. Et donc? Je peux faire quoi? Est-ce que tu aurais encore cette boîte en carton que je t'ai confiée? Oui, bien sûr. Oh là, il faut juste que tu me laisses le temps de la retrouver. Elle est un peu poussiéreuse.
Je vais être honnête, j'aurais jamais cru que tu reviendrais la chercher. Moi non plus. Tu sais, tu peux pas renier qui tu es, Catherine, ou quel que soit le nom que tu t'es choisi. Pourquoi est-ce que tu as besoin de cette arme? C'est par sécurité. Tu devrais laisser les flics s'en occuper. C'est ce que je fais. Mais tu les connais comme moi. Avec eux, on ne sait jamais. Écoute, sois prudente. Avec une arme chargée, on finit toujours par tirer. Tes propres mots. Oui, je le sais. Ça va? Est-ce que tu vois quelqu'un? Quoi? Ou tu es seulement allé acheter des places de concert? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai eu un coup de fil de l'école. Ils m'ont appelé parce qu'ils n'arrivaient pas à te joindre. L'école? Pourquoi? Jacob va bien? Tu n'as qu'à lui demander toi-même. Jacob, qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu me racontes? Est-ce que papa et toi, vous allez divorcer? Quoi? Ça alors, mais qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? David dit que c'est ce que sa mère a dit. Elle a dit ça? Oui, elle a dit que tu avais une aventure et que c'est pour ça que tu étais bizarre au travail. Est-ce que c'est vrai? Je crois que tu devrais dire à David de dire à sa mère de s'occuper de ses affaires. Je lui ai dit. Et il a répondu quoi? Jacob, je te parle. Hé! Hey! Mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, maman? Pourquoi t'es aussi bizarre? Écoute, c'est juste que c'est un peu dur pour moi en ce moment. Mais je te promets que tout ça va s'arranger très bientôt. Hein? Regarde-moi. D'accord? Je t'aime.
Allez, va te laver les mains et viens manger. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Tu m'as fait suivre? Qui c'est? Juste un ami. Je connais tous tes amis. Ne me dis pas que tu as osé engager un détective pour me suivre. Tu ne me fais pas confiance? Je devrais. J'en reviens pas. De quoi? Je croyais être suivi par un obsédé. Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que oui ou non, cet homme est ton amant? Évidemment que non! Où tu étais alors? Qui t'a appelé au magasin de bricolage? C'est qui ce type? Je ne peux pas te le dire. Pourquoi? Pourquoi tu ne le dis pas? Tu ne me croirais jamais. Ça ne peut pas être pire que ce que j'imagine. Tout ce que tu dois savoir, c'est que moi, j'ai toujours été parfaitement loyale envers toi et Jacob. Vraiment? Bien sûr que oui, enfin. Alors réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe, Kim? L'homme sur la photo est mon premier mari. Ton premier mari? Quoi? Comment ça? Lawrence Keller. On a été mariés pendant 3 ans et on a divorcé quand j'ai plaidé coupable et témoigné contre lui à son procès pour homicide volontaire. Coupable de quoi? L'arme n'était pas censée servir. Elle ne devait même pas être chargée. Il s'appelait Trent Woods. Il cumulait 2 boulots pour que sa femme puisse reprendre ses études. Et ça fait 15 ans que depuis ce jour-là, j'essaie désespérément de l'oublier. J'étais jeune, Michael, j'étais idiote. Alors tout ça, quand tu disais avoir payé tes études toute seule, tout ce que tu disais avoir fait avant de me rencontrer... C'est ce que je suis vraiment. Je suis la femme dont tu es tombé amoureux. Qu'est-ce que tu fais de ton ex-mari? Eh bien, Lorenz est sorti de prison et l'autre homme sur les photos est un agent du FBI qui enquête sur lui. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? J'ai vraiment pas envie d'en parler. Après tout ce que tu viens de me dire, tu refuses d'en parler? Je n'en suis pas très fière. Il y a eu d'autres fois avant? Oui. Oui, il y a eu d'autres fois avant. Michael, je te jure... Pourquoi? Après tout ce temps, pourquoi me le dire maintenant? Je pensais que c'était fini, que j'avais laissé ça derrière moi pour de bon. Mais en fait, non. Non, c'est vrai. Et je suis fatiguée. J'ai longtemps couru pour échapper à mon passé. Et là, c'est fini. Je suis épuisée. Fait à 8 heures. J'ai emmené Jacob chez mes parents. Un autre café? J'abandonne. Non, ça va, merci. Tu es sûr?
Tu écoutes ce que je dis? J'abandonne. Ça me fait rire, excuse-moi. Déjà, quand on était mariés, tu avais beaucoup de mal à tenir tes promesses. Écoute-moi bien, aujourd'hui, sauver ma réputation, je m'en moque. Et l'argent ne m'intéresse pas. J'ai mis mon mari au courant. Alors vas-y, fais toutes les horreurs que tu crois devoir me faire si ça t'amuse. Ça a été très dur, tu n'imagines pas. Te voir avec un autre homme. Savoir que tu éprouves pour lui ce que tu n'éprouveras jamais pour moi. Quand j'étais en tôle, je pensais à toi tous les jours. Tous les jours. Et je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seule seconde. D'une façon ou d'une autre, ce diamant, je l'aurai ce soir. Comment? C'est à toi de voir. Mais si tu décides de me lâcher, Kitty Cat, tu auras beaucoup plus à protéger que ta petite réputation, tu m'as bien compris. Laissez apparaître la moindre appréhension, il le verra. Ça se passera bien. Bon. On sera là pour vous protéger à tout moment. Et ma famille, vous y pensez? Il n'y a pas de souci. Faites votre boulot et... Ne me dites pas qu'il n'y a pas de souci. Promettez-moi que vous allez vous en occuper. Kim, ça ira. On a posté des agents devant la maison des parents de Michael. Ils ne risquent rien. On va vous installer le micro. Vous voulez que j'aille jusqu'où? Il faut effectivement qu'il prenne possession du diamant. Autrement, il n'est que complice. Rassurez-vous, il ne quittera pas le musée. Donnez-le lui en main propre, et là, on intervient. Et si vous avez le moindre problème, vous dites juste... Plus l'habitude. J'ai plus l'habitude. Pile à l'heure. Qui c'est? C'est Caruso, notre conducteur, le meilleur du milieu. Alors écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas y aller seul. Tu veux y aller seul? Comment ça, Kitty Cat, t'as peur du noir? Y a qu'un type à l'intérieur. Tu t'en tireras très bien. Un seul vigile? Non, deux, je les ai vus. Les gardes, je m'en charge, d'accord? Tout en douceur, promis. Hein?
Les vigiles, c'est vraiment tous les mêmes. Vas-y. La bouffe est là. J'arrive tout de suite. Eh ben, ils ont eu le temps. Je meurs de faim. Où est-il, votre collègue? Mon collègue? Oui, Steve. Ah, Steve! Il a arrêté. Je suis le nouveau. Ah, d'accord. Je vous avais jamais vu. Voilà 15, gardez la monnaie. Merci, chef. Pas de quoi. Ça va? Non, je me sens bizarre, vraiment bizarre. Voir le diamant. Non. C'est quoi ça? Tu me fais le coup du micro, Kitty Cat? Non, j'ai plus l'habitude. Tu as osé me doubler, Kitty Cat? Non. Tu vas me le payer. J'ai plus l'habitude. Mon Dieu. Police? Ça va? Oui, merci. Vous l'avez? Je l'ai dans ma poche. Excellent. Alors donnez-le-lui. Comment? Allez, vas-y, Kimi. Donne au monsieur. Mais...
pendant tout ce temps. Ouais. Espèce de salopard. Mais tu dois l'admettre, je suis quand même exceptionnel comme salopard. On se reverra dans une prochaine vie. Quoi, cette histoire? Monsieur First. Qu'est-ce qui se passe? Votre femme était en train de cambrioler le musée. Oh, c'est parfaitement ridicule. On a trouvé ça sur elle. Maman! On s'en va, Jacob. Donc, si je comprends bien, vous avez volé le diamant pour qu'il ne tombe pas entre les mains de votre ex-mari. C'est ça, oui. Celui que je lui ai donné n'est pas le vrai, c'est juste une copie. Et ses associés ont fait semblant d'être du FBI, c'est ça? Oui. Oui, ils disaient que je faisais partie d'une grosse opération pour le remettre en prison. Vous avez leur nom? Eh bien, lui a dit qu'il s'appelait Robert Goodwin et son nom à elle, c'était Sarah Windsor. J'ai les photos des associés habituels de Geller. Regardez-les bien. Dites-moi si vous voyez vos agents du FBI. Je reviens pas. C'est elle. Et c'est lui. Ah, c'est de là. Vous savez comment il s'appelle? C'est Scott Finch et Julie Souzada. Finch a partagé la cellule de Geller il y a quelques années. Écoutez, je vous mens pas, je vous jure que je dis la vérité. Oui, je veux qu'on me retrouve Finch et Souzada. Je vais aller en prison. Ça dépend du musée. Vous attaquer toute seule à un type comme Geller, c'était vraiment idiot. Et très courageux, j'avoue. Promettez-moi de le retrouver. Je vous le promets. Thank you.
sais, j'étais même pas sûre que tu viendrais. Il va falloir qu'on discute. Hein. Le directeur ne portera pas plainte. Il te remercie pour ce que tu as fait. Ouais. Écoute, je... Non, là, j'ai pas... Tu sais, Michael... Chase, chut. Oublions ça, d'accord? C'est du passé. Je sais que tu es toujours la fille superbe que j'ai épousée et que j'aime toujours. Merci. Je me disais que peut-être toi et moi et Jacob, on devrait partir pour quelques jours au lac. Un petit séjour au calme. Oui. Ah, tu es sûr que tu n'as rien d'autre à m'avouer? Arrête. Vas-y doucement, mon grand. Fais attention, s'il te plaît. Alors, il est où, le haricot sauteur? Oh, je ne trouve rien qu'à le voir. T'as vu ça? Waouh. Salut. Allez, chérie, vas-y. L'entraînement, il accepterait. C'est ton tour, après. C'est à qui de jouer? À toi. À moi? Très bien. Qui veut un burger? Qui veut un hot dog? Tu veux quoi? Hot dog. Hot dog. Moi, un burger. Burger. Alors. Ah oui, c'est ça. Je sais ce que j'avais l'intention de faire. Voilà. Et oh. Un mon compte triple, très cher. T'es mal parti. Oh, la pâtée, Jacob, la pâtée. Tu crois que notre fils est endormi? Probablement. Dis donc oui, ferme les yeux. Pourquoi? Ferme les yeux. Oh. Oh. Je reviens tout de suite. D'accord. Je bouge pas d'ici. Mais dépêche-toi. C'est quoi? C'est quoi? Salut, Michael. Qu'est-ce que vous voulez? À ton avis, qu'est-ce que je veux? Si vous touchez à ma famille, tu feras quoi? Il me semble que c'est moi qui braque le pistolet. Alors la ferme et bouge-toi. Je vais monter chez Jacob. J'appelle la police. Jacob! Allez, dépêchez-vous, vite! On s'en va, d'accord? Qu'il y a? Il faut qu'on quitte la maison très vite et sans bruit. Pourquoi? On doit s'en aller. Faut sortir d'ici. Allez, allez, vite. Allez! Allô? Je m'appelle Michael First. Je suis au 36 Clark Street. Un homme armé est entré chez nous. Venez vite. Il leur faudra quelques minutes. Le poste est à 8 km. Ok. Allez, monte, chérie, monte. Ah. Maman! Ça va aller. Laissez-vous! Sortez de la voiture! Viens, mon grand! Allez prendre le quad, tous les deux! Tu as une arme? Allez-y! Viens, laisse-toi!
dégage. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Monte, pars pas sans toi. Emmène Jacob, vite. Pas dû m'entuber, Kitty Cat. J'ai beaucoup changé depuis le temps, crois-moi. Tout ce que t'avais à faire, c'était me donner le diamant et j'aurais fait de mal à personne. Mais maintenant... Maintenant, il faut bien que quelqu'un paie. Trouver Kim. Je vais trouver ton mari, ton fils. Je t'ai entendu, Kitty Cat. Tu es là-haut, Kitty Cat. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'as fait, Kitty Cat? Est-ce que tu t'en rends compte? Toutes ces années de prison, des années perdues, et à la fin, tu sors sans rien. Tu serais pas dans le placard par hasard? Pas dans celui-là. Ce diamant. Tu sais, il devait assurer mon avenir. C'était mon dernier espoir de me refaire une vie. Chérie, je suis rentré. J'ai l'impression que tu as peur. Tu es là, Kitty Cat?
délicate. Tu t'es fait mal? Enfin, laissez ça derrière toi. Je vous aime tous les deux. On rentre? Ouais. Close to you.